Monsieur, Madame Yves Pelletier ont le plaisir de vous convier à une soirée organisée pour vous faire partager les souvenirs indélébiles de leur plus récent séjour dans les îles. Drap blanc cloué sur le plywood, ça va être plus long qu'un programme double. Il voyage beaucoup, le cher Yves, il prend sa femme en photo. Des milliers de diapositives, c'est comme le supplice de la goutte d'eau. Entassé dans le Chesterfield, à voir les photos qui défilent. Une autre soirée carousel, c'est comme ça qu'on les appelle. Ils nous disent, mettez-vous à l'aise, prendriez-vous un tequila sunrise. C'est sûr qu'il faudra s'en enfiler pour endurer toute la veillée. Schlick, 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 schlock, qui nous montre ses photos, puis il radote. Acapulco en sombrero, à Puerto Vallarta en Bermuda. On mange des chips, puis des peanuts, on se fait du genou, puis on se tripote. Entre deux anecdotes, on sirote, en rêvant de lui mettre la switch à off. Trois minutes par photo, multipliées par 300 photos. On a droit aux descriptions de toutes leurs maudites excursions. L'histoire du guide qui était le cousin du gars du restaurant qui avait vu un requin, qui paraît qu'il était chaud lapin et qui avait eu 14 enfants. Et c'est pas tout, non, c'est pas tout. Quand monsieur ne voyage pas, il peint. Il pourrait s'ouvrir un magasin, tellement y a des tableaux partout. Spécialité rocher percé, te souviens-tu de son premier? T'avais manqué de t'étouffer, le trou était pas du bon côté. Vite amenez-nous une crème de menthe, n'importe laquelle, la verte, la blanche. Pour oublier, pour se détendre, on aura mal à tête dimanche. Schlick, 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 schlock, il nous montre ses photos, puis il radote. Acapulco, en sombrero, à Puerto Vallarta, en Bermuda. On mange des chips, puis des peanuts, on se fait du genou, puis on se tripote. Entre deux anecdotes, on sirote, en rêvant de lui mettre la switch à off. Puis-tu croire qu'à minuit, on va être encore ici, couché sur le prélat, on aura vidé le bar.